Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Dr. Gregis Oukeina, je suis Medical Manager chez GSK. Je vous remercie tous d'avoir accepté cette invitation à ce masterclass. Donc, je vois parmi nous des médecins connectés depuis le Maroc et la Tunisie. Vous êtes tous les bienvenus. Je remercie spécialement professeur Sreli Husseini Leila, qui a accepté d'animer gracieusement ce masterclass. Merci beaucoup, professeur. Professeur Sreli Husseini Leila est chef de service d'ORL au CHU Ibn Sina à Rabat. Elle est aussi la présidente de la société marocaine d'ORL et de chirurgie cervico-faciale. Le thème choisi pour ce soir est bien les rhinosinusites compliquées. Donc, comme vous le savez tous, les rhinosinusites bactériennes ou virales peuvent être l'origine de nombreuses complications. Quelles sont ces complications? Quelle est la place de l'antibiothérapie? Comment prendre convenablement la rhinosinusite? Donc, toutes ces questions seront traitées ce soir par professeur Skelly. Comme je vous invite tous pour poser toutes les questions via le chat, donc je vais vous montrer comment poser les questions. Il suffit juste de cliquer sur le bouton avec les trois points, cliquez sur Q&A et saisissez toutes vos questions. Sans trop tarder, je vous souhaite une excellente session et je vous laisse la parole, professeur Scri. Merci beaucoup, Madame Gregi. Je voudrais tout d'abord remercier les laboratoires GSK pour m'avoir invité à traiter une conférence concernant les rhinosinusites à problème et ou compliqués. Alors tout d'abord, il est évident qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts avec les laboratoires GSK. Quand on parle de rhinosinusite, pourquoi? Pourquoi ne parle-t-on pas uniquement de sinusite? Eh bien, tout simplement par le fait que les sinus, qui sont des cavités aériques annexes des fosses nasales, sont tapissés de la même muqueuse de type respiratoire que les fosses nasales. De plus, les sinus étant des cavités aériques, ils vont être drainés dans les fosses nasales par l'intermédiaire d'ostia dans les régions dites méa, et c'est ainsi que dès lors qu'il y a une atteinte virale ou infectieuse des sinus ou des fosses nasales, eh bien, nous avons une atteinte commune et nous parlons de rhinosinusite. Ces rhinosinusites sont subdivisées en deux ou trois dans le cadre de la pathologie infectieuse et ou inflammatoire. Lorsque vous avez une pathologie qui arrive brutalement et qui disparaît en moins d'un mois, eh bien, en général, on parle de rhinosinusite aiguë qui pose le problème essentiellement de prise en charge dans le cadre de l'antibiothérapie, puisque dans la plupart du temps, les rhinosinusites aiguës sont d'origine virale. Faut-il traiter ou non par antibiothérapie? Quel type d'antibiotiques, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons des cas de résistance bactérienne à certains antibiotiques. Et enfin, quel type de sinusite allons-nous traiter pour éviter les complications qui peuvent être graves? Dans le cadre des rhinosinusites chroniques, c'est-à-dire celles dont les symptômes perdurent au minimum 3 mois, 12 semaines, eh bien, nous allons avoir des formes qui sont soit unies, soit bilatérales et dont la prise en charge va être totalement différente. Les formes unies étant unilatérales, étant essentiellement des formes qui ont une origine locale ou loco-régionale. Dans la pathologie bilatérale, eh bien, il s'agit le plus souvent d'une pathologie inflammatoire ou systémique et dont il faudra faire le diagnostic étiologique pour pouvoir traiter. Et à l'heure actuelle, effectivement, les rhinosinusites chroniques bilatérales connaissent un regain d'intérêt car elles posent un problème thérapeutique. Ainsi,
De prime abord, étant donné que dans le cadre de ce webinaire, il existe des inscrits qui sont des spécialistes ORL, mais également des confrères non spécialistes ORL, eh bien, il est important de commencer par une précision qui est très importante. L'endoscopie nasale est absolument obligatoire devant toute rhinorrhée unilatérale, postérieure ou infectée, devant toute obstruction unilatérale, devant toute obstruction totale ou à bascule, apparition de troubles de l'odorat, douleur positionnelle, et si ma foi, les malades sont traités et qu'au bout de 4 semaines de traitement, il n'y a pas de réponse, il est absolument obligatoire d'adresser votre patient chez le spécialiste ORL pour réaliser une endoscopie au tubogyde ou à la fibre souple. Ainsi, pour pouvoir rendre interactive cette séance à distance, cette conférence à distance, et donc pour pouvoir avoir un maximum de questions, eh bien, j'ai choisi d'étayer cette problématique des rhinosinusites à partir de cas cliniques. Ainsi, ce premier cas clinique concerne un patient âgé de 60 ans qui est venu consulter après un épisode rhinopharyngé banal pour des douleurs sous-orbitaires droites. Il se plaint aussi d'une obstruction nasale unilatérale droite associée à une cacosmie et à une rhinorrhée. En endoscopie nasale, on retrouve un œdème du méa moyen. Donc, il est évident que vous avez devant vous un tableau de rhinosinusite maxillaire aiguë unilatérale. Deuxième cas clinique. Alors, avant le deuxième cas, dans ce cadre-là de sinusite maxillaire aiguë, faut-il traiter par antibiothérapie? Nous le reverrons tout de suite. L'antibiothérapie est préconisée de façon grosso modo dans les formes bactériennes, c'est-à-dire quand les symptômes sont unilatéraux, lorsque les symptômes durent plus de 14 jours, lorsqu'il y a l'échec d'un traitement symptomatique initial, devant les formes dentaires ou devant des complications. Ici, vous avez une patiente qui est venue consulter, jeune patiente de 28 ans, qui est venue consulter pour une symptomatologie évidente de sinusite sphénoïdale droite avec des céphalées rétro-orbitaires intenses qui irradient vers le vertex, à paroxysme nocturne et associé à un jetage postérieur rhinopharyngé. On fait une endoscopie nasale, fosse nasale droite. Vous avez ici une queue de cornée moyenne qui est très hypertrophiée. La partie postérieure du septum, la coane, et vous voyez qu'il y a du pus qui s'écoule de l'ostium du sinus sphénoïdal. Devant toute sphénoïdite, c'est évident, on réalise une imagerie, non seulement pour confirmer ce qu'on a vu, nous, en endoscopie, donc une opacité du sinus sphénoïdal droit, mais également pour rechercher des complications. Alors, selon l'EPOS 2020, c'est-à-dire l'European Paper of Rhinosinusitis, dans le cadre de la rhinologie, eh bien, comment on définit les rhinosinusites aigus? Eh bien, lorsque les symptômes vont durer pendant 5 jours, ils vont persister après un épisode grippal banal, ou lorsque les symptômes persistent au-delà de 10 jours. Et c'est ainsi que vous devez rencontrer dans les formes aiguës bactériennes au moins 3 symptômes, dont la fièvre autour de 38 degrés, une rhinorrhée, une pathologie dans le cadre unilatéral et une douleur sévère et à volontiers positionnelle. Pour vous dire quelle est l'importance des différentes études qui ont été faites pour pouvoir savoir s'il faut traiter ces malades avec antibiothérapie ou pas, un autre papier de l'INES Québec en septembre 2017, qui lui aussi se base sur 2 éléments pour traiter ou non les formes aiguës bactériennes, d'abord des symptômes persistants de 10 à 14 jours sans amélioration ou l'aggravation des symptômes. Et ainsi, lorsque vous avez une atteinte qui est légère, qui ne retentit pas sur le fonctionnement, de peu d'impact fonctionnel, lorsqu'elle est modérée également, on ne prescrit pas d'antibiotiques. Par contre, on envisage de prescrire l'antibiothérapie lorsqu'il y a une atteinte importante qui impacte sur l'état du patient ou lorsque vous avez des signaux d'alarme tels qu'une atteinte importante de l'état général, des céphalées intenses, une fièvre qui persiste et qui est au-delà de 38 degrés ou le début d'apparition de certaines complications.
Sur les postes de Bilvin, eh bien ici, vous avez une étude qui est intéressante car on voit sur ce camembert que lorsque vous avez des épisodes de rhinopharyngite banale, très peu vont se traduire ensuite, se compliquer d'une rhinosinusite post-virale et très peu vont se compliquer d'une surinfection bactérienne et encore très peu d'entre eux vont nécessiter une antibiothérapie. Toujours dans le cadre de l'EPOS 2007, eh bien l'antibiothérapie, on y a recours lorsque les symptômes sont modérés, mais qu'il n'y a pas d'amélioration après 14 jours d'un traitement symptomatique, lorsque les symptômes sont sévères, 48 heures après le traitement symptomatique, ou alors lorsque vous avez l'apparition de complications qui nécessitent donc une hospitalisation, une endoscopie, un prélèvement bactériologique, l'imagerie et une antibiothérapie par voie parentérale. Quelle est la dernière attitude qui est apparue à l'EPOS 2020? Eh bien, ça rejoint exactement ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que c'est la durée des symptômes, c'est la non-amélioration, et à ce moment-là, on prévoit éventuellement de traiter le malade par antibiothérapie. L'antibiothérapie qui devient systématique dans les formes dentaires ou lorsqu'on suspecte fortement une infection fongique ou lorsque vous avez une immunodépression. Alors, dans l'Agence française de sécurité des produits sanitaires, en octobre 2005, on traitait ces formes de rhinosinusite aiguë de la manière suivante. L'amoxicilline acide clavulanique à raison de 2 à 3 grammes par jour en 2 ou 3 prises pendant 7 à 10 jours. Ou alors, en cas d'intolérance à ou bêta-lactamine et de non-intolérance aux céphalosporines, on prescrivait des céphalosporines de deuxième ou de troisième génération en 2 prises pendant 5 jours. La télithromycine n'existe pas chez nous. La pristinamycine est un macrolide à raison de 2 grammes par jour en 2 prises pendant 4 jours. Et enfin, les fluoroquinolones type levofloxacine ou moxifloxacine. L'AFSAPS 2008 ne change pas vraiment de conduite à tenir thérapeutique pour ce type de sinusite, à la seule différence que pour les formes frontales, ethmoïdales et sphénoïdales pourvoyeuses de complications, eh bien à ce moment-là, avant, on préconisait soit l'amoxicilline, acide clavulanique ou les fluoroquinolones, et là, on avait introduit les céphalosporines de deuxième et de troisième génération. La Haute Autorité de Santé, en novembre 2016, traite ainsi la sinusite aiguë de l'adulte. Pour les formes aiguës purulentes non compliquées, mais avec forte suspicion d'infection bactérienne, c'est-à-dire la persistance des douleurs, l'intensité des douleurs, le caractère unilatéral de la douleur, la rhinorrhée, eh bien, on prescrit uniquement de l'amoxicilline à raison de 3 grammes par jour pendant 7 jours. Lorsque vous avez une forme dentaire, eh bien dans ce cadre-là, on prescrit d'emblée l'amoxicilline acide clavulanique ou les céphalosporines de deuxième et troisième génération s'il y a une contre-indication, s'il y a une intolérance à la pénicilline ou en cas de contre-indication bêta-lactamine, les fluoroquinolones ou la pristinamycine. Dans les localisations frontales, ethmoïdales et sphénoïdales, même démarche thérapeutique, on ne prescrit pas pristinamycine, indication bêta-lactamine. Et enfin, pour la Haute Autorité de Santé, en novembre 2016, en cas de sinusite grave, tout signe clinique qui fait suspecter une sinusite compliquée doit faire l'objet d'une hospitalisation avec bactériologie, imagerie et antibiothérapie par voie parentérale. Alors, dès lors qu'on parle d'antibiothérapie devant une forme aiguë, eh bien, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres inhérents au choix de l'antibiotique. Le choix d'un antibiotique tient compte bien sûr de la bactériologie et dans le cadre des rhinosinusites aiguës, on a essentiellement le streptocoque pneumoniae, l'hémophilus influenzae et le moraxella catarrhalis et à moindre degré les anaérobies. Le choix d'un antibiotique doit tenir compte également du problème grandissant des résistances bactériennes à certains antibiotiques et doit tenir compte également de la compliance du patient au traitement. Le choix de l'antibiotique va se baser sur la demi-vie, la concentration tissulaire, la concentration minimale inhibitrice et ce qui a été dit auparavant, la bactériologie et la résistance bactérienne. Lorsqu'il y a échec d'un antibiotique, c'est dû soit à un défaut de compliance du patient, soit à une mauvaise diffusion tissulaire ou à la résistance bactérienne.
Et là, vous avez un nouveau papier qui est sorti de l'EPOS 2020 où on voit un peu les molécules cibles, les antibiotiques avec les molécules cibles. Et les antibiotiques qu'on vient de décrire précédemment, les fluoroquinolones, les macrolides, les pénicillines, etc. Une étude intéressante également sortie, c'est une étude qui a été réalisée en 2013 sur une cohorte de pays, 30 pays de l'Union européenne, pour pouvoir un peu évaluer la consommation des antibiotiques, et ce, par jour, pour 1000 habitants. Et on voit que la consommation est importante, notamment pour les pays du pourtour méditerranéen. Et on voit également que jusqu'à 2013, eh bien, c'était essentiellement les pénicillines qui étaient les plus utilisées. Alors, la résistance aux antibiotiques s'adresse malheureusement aux deux bactéries les plus fréquemment retrouvées dans les rhinosinusites aiguës. Le pneumocoque, et vous le savez tous, le streptococque pneumoniae est connu par sa virulence. Il existe dans certaines souches une modification des protéines de liaison aux pénicillines, ce qui va induire une résistance aux bêta-lactamines et une résistance aux céphalosporines orales de première génération. Et là, vous avez l'EPOS 2020, une étude faite en 2013 qui montre un peu le pourcentage de résistance des streptocoques pneumoniae aux macrolides. Et on voit que dans le pourtour méditerranéen, toujours, il y a un fort taux de pourcentage puisqu'il va au-delà de 25 à 50% de résistance, ce qui n'est pas moindre. L'hémophilus influencé, eh bien, il y a deux mécanismes de résistance à certains antibiotiques. Soit la sécrétion d'une enzyme, la bêta-lactamase, qui va rendre inactive l'amoxicilline et les céphalosporines de première génération, ou alors des souches résistantes sans production d'enzymes de bêta-lactamase et qui vont être, elles, sensibles à l'amoxicilline à forte dose et aux céphalosporines de troisième génération orale ou injectable. Ici, vous avez un cas clinique d'un patient, un jeune patient, qui a été admis aux urgences pour un œdème palpébral droit qui empêche toute ouverture de l'œil. L'interrogatoire révèle la survenue d'une fièvre associée à une rhinorrhée antérieure et à une obstruction nasale droite et à des céphalées frontales qui évoluent seulement depuis 5 jours. Son examen à l'admission a objectivé un malade fébrile avec un œdème périorbitaire qui est occlusal. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, c'est dangereux. Quand on ouvre l'œil, on voit qu'il y a une exophtalmie inféro-externe, un chémosis, une limitation de l'élévation du globe oculaire. De même, chose essentielle, une douleur à la mobilisation du globe. L'acuité visuelle est conservée. Deuxième cas clinique similaire, on reçoit aux urgences un jeune homme âgé de 15 ans qui présente après un épisode de rhinopharyngite aiguë banale, sans antécédent particulier, une exophtalmie de l'œil droit encore, avec un syndrome d'hypertension intracrânienne qui évolue dans un contexte d'altération de l'état général. L'imagerie faite dans le cadre de l'urgence montre qu'il existe une sinusite ethmoïdo-frontale et que vous avez véritablement des complications de type cellulite orbitaire. Alors, les sinus de la face, ils constituent à eux seuls 3 parois de l'orbite. La supérieure, qui est représentée par la paroi inférieure du sinus frontal, l'inférieure, qui correspond à la paroi supérieure du sinus maxillaire, et la paroi interne de l'orbite, qui correspond à la paroi latérale de l'ethmoïde antérieur et de l'ethmoïde postérieur. Deuxième élément à prendre en considération, c'est qu'au niveau du sinus sphénoïdal, vous avez la proximité du nerf optique, vous avez la carotide interne, les oculomoteurs, le sinus caverneux. Et donc, par conséquent, lorsque vous avez une complication orbitaire d'une sinusite postérieure, eh bien, le nerf optique, il peut être le siège de lésions inflammatoires ou ischémiques par compression. Ainsi, vous avez deux types de complications des sinusites aiguës, essentiellement, soit des complications des sinusites antérieures, à savoir essentiellement ethmoïdales frontales, et qui se font à type de cellulite orbitaire, ou alors des complications des sinusites postérieures, et essentiellement ethmoïdales postérieures et sphénoïdales. Pour les cellulites orbitaires, il faut absolument que vous ayez 3 signes cliniques à rechercher systématiquement, soit l'œdème palpébral, l'exophtalmie, et la motricité oculaire.
Et il y a des signes qui doivent absolument vous faire penser à l'urgence, l'extrême urgence. C'est lorsque vous pressez sur le globe oculaire ou lors du mouvement du globe oculaire, eh bien, vous avez une douleur qui est très importante et qui sous-entend une complication orbitaire sous-jacente. Et là, c'est bien sûr ces éléments qui rentrent dans le cadre de la classification de Chandler en atteinte préceptale ou en atteinte rétroceptale et qui est toujours d'actualité. L'imagerie est très importante car elle va permettre tout d'abord de confirmer l'atteinte sinusienne, mais surtout de statuer sur la complication orbitaire. Vous avez ici une cellulite orbitaire et là vous avez un abcès intra-orbitaire, c'est le stade 4 de la classification de Chandler. Alors comment traiter ces complications orbitaires qui relèvent de l'extrême urgence? Bien sûr, lorsque l'atteinte est préceptale, vous pouvez traiter le malade en ambulatoire, sous couvert que vous allez le revoir le lendemain, par de l'amoxicilline acide clavulanique. Mais dès lors que vous avez une exophtalmie, dès lors qu'il y a une limitation du regard, dès lors que vous avez un kémosis, dès lors que vous avez une douleur à la pression du globe, il faut hospitaliser votre malade, réaliser un scanner en urgence et mettre le malade sous antibiothérapie, bi-antibiothérapie par voie parentérale. Le drainage chirurgical, aussi bien dans le cadre de la complication orbitaire éventuelle type abcès, eh bien, ou dans la collection frontale, eh bien, va se faire après la non-amélioration, après traitement médical, ou alors devant toute aggravation clinique, aggravation de l'œdème palpébral, la baisse de l'acuité visuelle, la diminution de la mobilité oculaire ou la diminution du réflexe pupillaire. La chirurgie de drainage, eh bien, elle peut se faire lorsque c'est un abcès préceptal, elle va se faire par voie externe. Lorsqu'il s'agit d'une atteinte intra-orbitaire, un abcès orbitaire, eh bien, elle va se faire soit par voie d'orbitotomie externe, soit par voie endoscopique endonasale. À côté de ces complications orbitaires, eh bien, vous avez les complications intracrâniennes et les sinusites frontales dues le plus souvent au streptocoque pneumoniae sont très pourvoyeuses de complications intracrâniennes type méningite, thrombophlébite du sinus latéral, abcès cérébral ou empyème sous-dural. À côté de ces formes de rhinosinusite aiguë, eh bien, vous avez des patients qui viennent consulter après 3 mois d'évolution et rapportent, dans ce cas bien précis, une obstruction nasale unilatérale qui ne fait que s'aggraver, avec une rhinorrhée postérieure, des troubles parfois de l'odorat à type de cacosmie chez ce patient. On réalise une endoscopie nasale et on voit au niveau de la fosse nasale droite, au niveau du méa moyen, eh bien un œdème avec une raie purulente épaisse fétide. Le scanner est obligatoire puisque là, il y a 3 mois d'évolution, que ça rentre donc dans le cadre de rhinosinusite chronique unilatérale, puisque ce malade, eh bien, il faut absolument codifier l'attitude thérapeutique. De même que chez cette patiente qui était venue consulter pour des douleurs rétro-orbitaires qui évoluent depuis 3 mois avec un jetage postérieur et lorsqu'on a réalisé le scanner et l'endoscopie, eh bien on a décidé de l'opérer et la chirurgie a permis d'évacuer les truffes aspergillaires au niveau du sinus sphénoïdal. Un papier vient de sortir au niveau de l'EPOS 2020 qui va classer ces atteintes mycotiques au niveau sinusien. 3 types d'atteintes, soit que vous avez un sujet qui est connu, qui a une hypersensibilité aux pneumes allergènes, une rhinite allergique éventuelle, et en général il présente une rhinosinusite fungique allergique, ou alors vous avez un patient qui est indemne, et donc est immunocompétent. Et en général, on parle de balles fungiques, comme la vue endoscopique que je viens de vous montrer au niveau du sinus sphénoïdal, ou alors carrément, vous avez des sinusites mycotiques invasives, et dans ce cadre-là, en général, on retrouve toujours un terrain immunodéprimé. Alors, d'autres atteintes être responsables de ces rhinosinusites chroniques localisées, c'est par exemple ces tumeurs bénignes, les mucocèles, qui vont entraîner une pliocèle par rétention, par sinusite rétentionnelle. D'accord? Alors, oulala. Alors, il est, excusez-moi, je reviens. Je ne comprends pas. Il y a un petit bug.
Alors, devant ces rhinosinusites chroniques purulentes localisées, eh bien, il est évident que vous pouvez avoir un processus rhinosinusien qui va être en rapport soit avec un germe qu'on n'arrive pas à retirer par antibiothérapie, par traitement médical, donc il faut aller pour évacuer le sinus et le drainer, soit que vous avez un gland étranger, soit qu'il existe une tumeur, soit qu'il existe un obstacle mécanique, et devant ces rhinosinusites chronique purulente localisée ou alors purulente en rapport avec un corps étranger ou un obstacle, eh bien, il faut aller vers une chirurgie d'aération et de drainage. Ainsi, sur ce papier de l'EPOS 2020, eh bien, effectivement, on résume un peu tous ces éléments-là. Dans le cadre des rhinosinusites aiguës, eh bien, il faut éliminer le risque de complications et traiter le malade en fonction de la démarche dont nous avons parlé. Et dans les rhinosinusites chroniques, eh bien, il faut scinder les patients en forme unilatérale et moulant toujours une cause locale. Et en général, après imagerie et après bilan, on arrive toujours à réaliser une chirurgie d'aération et de drainage. Ou alors, vous avez une forme bilatérale diffuse et c'est elle qui connaît à l'heure actuelle un regain d'intérêt et on va voir pourquoi tout de suite. Alors, ici, au niveau de l'EPOS 2020, vous avez une étude qui va vous donner les quatre principaux symptômes que l'on retrouve dans les rhinosinusites bilatérales chroniques. Alors, ces rhinosinusites bilatérales chroniques, elles sont soit de forme macroscopique inflammatoire polypoïde, c'est la polypose nasosinusienne, ou alors vous avez des formes œdémato-purulentes. Alors ici, sur ce papier, vous avez les principaux syndromes rencontrés dans ces deux formes de rhinosinusite bilatérale diffuse. Et en général, on retrouve toujours l'obstruction nasale, quelle que soit la forme, avec ou sans polype. Et on retrouve plus les troubles de l'odorat dans les formes inflammatoires et la rhinorrhée dans la forme œdémato-purulente. Alors, ici, vous avez un cas clinique. Aïe, aïe. Vous pouvez repartager votre présentation, professeur? Oui, là j'ai un petit problème. Je vais essayer, oui. Alors, je n'arrive pas, je n'ai pas la main. On va vous donner la main tout de suite. C'est bon. Parfait. Il y a un bug, je ne sais pas pourquoi, d'accord? C'est les limites de la technologie, professeur. Oui, on va essayer d'y remédier tout de suite. Alors, voilà, tout de suite j'y arrive. Désolée. Vous avez ici une patiente qui a été transférée, hospitalisée pour une cure chirurgicale d'une polypose nasosinusienne qui résiste au traitement médical. Obstruction nasale bilatérale à bascule avec anosmie, rhinorrhée antérieure surtout droite, épaisse selon la malade. Mais à l'examen, on retrouve quand même une exophtalmie droite. On la met en général toujours en rapport avec une mucocèle rétentionnelle, mais dans ce cas-là, ce n'était pas le cas et vous avez ici l'imagerie. On voit ici que vous avez quand même au sein de l'opacité des calcifications en regard de l'ethmoïde antérieur et du sinus frontal droit. On opère cette malade par une nasalisation, une chirurgie classique endonasale de la polypose et on réalise quand même un examen anapath extemporané de polypes qu'on trouve atypiques en regard de l'infundibulum ethmoïdal et de l'ethmoïde antérieur. Pour nous, on hésitait avec une dysplasie fibreuse. Quelle a été notre surprise lorsque on nous répond qu'il s'agissait d'un angiome capillaro-veineux? Ceci, c'est pour adresser un message, c'est-à-dire que quand vous avez un patient qui vient pour être opéré pour une polypose nasosinusienne, entrant dans le cadre d'un fernand vidal ou isolé, eh bien, il est évident que tout ce que vous enlevez au cours de la chirurgie doit être adressé à un examen anapath. Car il nous est arrivé aussi de colliger un autre cas clinique où nous avions un patient suivi pour une polypose nasosinusienne que nous avons opéré et la pièce anapath, l'une des pièces anapath, a répondu que l'un des polypes était en fait
une métastase d'un carcinome de type intestinal. Vous avez ici un autre cas. C'est une malade qui aurait été opérée pour une polypose en 2012, dans le cadre d'un Fernand Vidal. Elle aurait été opérée encore une autre fois en 2013 pour une mucocèle ethmoïdo-frontale de rétentionnelle classique après une chirurgie endonasale. On la revoit en 2014 pour une exophtalmie de l'œil gauche, une exophtalmie vers le bas et une légère diplopie verticale. On opère cette malade en 2014. On constate en paire opératoire qu'il existe un défect osseux important au niveau du toit de l'orbite et au niveau de la paroi interne, la lame papyracée. On n'a pas de coque mucocélique, mais plutôt, dès lors qu'on élargit l'infundibulum ethmoïdal de la première intervention, le DRAF 1, eh bien, on a une abondance de pus qui est très épais. Et ainsi, on a terminé la chirurgie par la réalisation d'un DRAF 2. Cette malade s'est améliorée, mais nous l'avons quand même mise sous antibiothérapie, sous levofloxacine, pendant 6 semaines. Alors ceci, c'est pour vous dire que lorsque vous réalisez une chirurgie de polypose nasosinusienne, une ethmoïdectomie, que vous ouvrez l'infundibulum, qui est la première voie de drainage du sinus frontal, eh bien il faut toujours dire au malade qu'en post-opératoire, lorsqu'il fait ses lavages des fosses nasales, il ne faut pas renifler. Car au moment du reniflement, il peut véhiculer un germe et pour peu que l'ouverture de l'infundibulum soit relativement étroite, il vous fait une véritable rétention liquidienne purulente qui va s'infecter et vous allez donc devoir reprendre le malade et réaliser un élargissement de l'ouverture du sinus frontal par un DRAF 2. Alors, ceci nous amène à parler de la chirurgie endoscopique du sinus frontal. Il est certain que depuis l'avènement de cette chirurgie, la morbidité est diminuée, il y a un respect de l'esthétique frontale puisqu'il n'y a pas de cicatrices cutanées, il n'y a pas de lésion des nerfs supra-trochléaires et supra-orbitaires et le contrôle chirurgical est facile, il se fait par voie endoscopique. Toujours en préopératoire, il faut absolument analyser les coupes scanographiques pour pouvoir rechercher une déhiscence de la lame papyracée, puisque dès lors que vous faites un DRAF 2 et un DRAF 3, eh bien vous allez fraiser au pourtour de cette lame papyracée. Chaque fois que vous réalisez une chirurgie endoscopique du sinus frontal, il faut absolument avoir du matériel adéquat, à savoir un moteur qui est dédié, de même qu'une pièce à main, de même que des fraises en acier diamantées de différentes tailles et de différentes angulations et la neuronavigation dans les centres. Alors la voie endoscopique, elle consiste en quoi? Eh bien une canalisation endoscopique du récessus frontal, ça se fait automatiquement dès lors que vous faites une nasalisation pour une polypose nasosinusienne. Le DRAF 2, il consiste en quoi? Il consiste à ouvrir le plancher du sinus frontal par fraisage du plancher de la lame papyracée jusqu'à la lame des cornées ou alors jusqu'au septum nasal. Et ainsi, vous avez ici une très belle coupe, des coupes schématiques qui résument parfaitement les différents types de DRAF. DRAF 1, lors d'une ethmoïdectomie. DRAF 2A, au niveau ici de la fosse nasale gauche. DRAF 2B, au niveau de la fosse nasale droite. Et on voit donc au-delà de la lame papyracée. Et là, vous avez le DRAF 3 qui réunit les deux DRAF 2 de la fosse nasale droite et de la fosse nasale gauche. Ici, il s'agit d'un patient âgé de 29 ans, célibataire, sans profession et qui est adressé par un confrère pour une rhinorrhée antérieure bilatérale. Notre patient rapporte que le début de la symptomatologie remonte à plus d'une année par l'apparition d'une toux productrice, expectorante, associée à une dyspnée d'effort et depuis peu à une rhinorrhée antérieure bilatérale verdâtre, un jetage postérieur rhinopharyngé, une anosmie, une obstruction nasale bilatérale et une hypoacousie bilatérale, surtout droite. On réalise une endoscopie nasale, on trouve qu'il y a un œdème du méa moyen, vous voyez l'état du cornet moyen, et également une raie purulente. Donc c'est une forme œdémato-purulente. C'est la deuxième forme des rhinosinusites chroniques.
Vous faites un examen otoscopique, vous voyez des bulles juste en arrière de la membrane tympanique, il existe donc une otite séromuqueuse. On réalise un prélèvement à visée bactériologique au niveau du méa moyen droit et on retrouve un pseudomonas aeruginosa. La radio pulmonaire, ici je n'ai pas affiché le scanner, on voit une dilatation des bronches et le scanner sinusien montre une atteinte diffuse bilatérale de toutes les cavités sinusiennes. Et enfin, l'exploration fonctionnelle respiratoire réalisée par nos confrères pneumologues montre un syndrome restrictif. Donc au total, on se trouve devant un patient porteur d'une rhinosinusite diffuse œdémato-purulente qui entre dans le cas d'une maladie de la muqueuse respiratoire avec atteinte des bronches, atteinte de la muqueuse de l'oreille moyenne, atteinte également de la cavité sinusienne. Et donc, vu la surinfection, le traitement idéal repose sur une antibiothérapie. Alors, dans ce cadre-là, doit-on faire une chirurgie d'aération et de drainage des sinus ? À partir du moment où vous avez une atteinte chronique nasosinusienne, cela veut dire bilatérale, cela veut dire que vous avez une maladie de la muqueuse respiratoire et que par conséquent, le traitement médical doit être toujours favorisé et que la chirurgie d'aération et de drainage ne peut être réalisée que pour certains patients dont le traitement médical n'a absolument pas apporté ses fruits. Quelle est la bactériologie des rhinosinusites chroniques ? Contrairement aux formes aiguës, il s'agit essentiellement d'anaérobie et de staphylocoque. Alors, le traitement médical préconisé, c'est deux éléments. Dans les poussées, on traite les rhinosinusites comme à l'instar de ce que l'on fait dans le cadre des rhinosinusites aiguës. Par contre, lorsque vous avez des poussées qui sont très rapprochées et le malade est très gêné par la rhinorrhée, qui est verdâtre, qui est purulente, et bien dans ce cadre-là, on peut traiter par des macrolides à 3 ou 4 atomes de carbone au long cours. Mais cela permettrait d'inhiber le recrutement des polynucléaires neutrophiles et donc de diminuer la rhinorrhée. Mais ici, vous avez une étude qui a été réalisée en avril 2017, Minerva, qui conclut que l'étude de la Cochrane collaboration ne permet pas d'établir un rôle thérapeutique efficace des antibiotiques dans le traitement de la rhinosinusite chronique avant ou sans polype nasal, mais là je parle des formes œdémato-purulentes, ce n'est pas les polyposes nasosinusiennes. Alors, il y a un schéma de l'EPOS 2007 dans le cadre de la prise en charge de la rhinosinusite chronique de l'adulte avec polypose. Eh bien, dans tout cela, il se base sur des échelles d'évaluation des symptômes et donc de le retentissement des symptômes sur la qualité de vie du patient. Il est évident que la chirurgie n'est préconisé que s'il y a une résistance au traitement médical et notamment aux corticoïdes nasaux et éventuellement des cures de corticothérapie par voie orale, au maximum 3 cures par an. Sinon, il faut passer à la chirurgie. Et là, toujours, au niveau des LEPOS, ils ont cet encadré d'éliminer, bien sûr, une costume orale ou des complications que nous avons vues tout à l'heure. Dans le cadre des rhinosinusites chroniques adultes avec polypose, une autre étude qui a été réalisée, une méta-analyse méthodologiquement correcte, qui conclut qu'une corticothérapie topique est efficace versus placebo chez les patients souffrant de rhinosinusite chronique avec des polypes, améliorant la symptomatologie, en l'occurrence l'obstruction nasale, diminuant la taille des polypes et prévenant leur réapparition après chirurgie, ce qui est très important. Et c'est ce qu'on explique à nos malades. Cette méta-analyse ne permet pas cependant de définir ni les dosages les plus adéquats de la corticothérapie nasale, ni les modes de pulvérisation les plus efficaces au vu d'un nombre insuffisant d'études. Alors ici, EPOS 2020, vous avez en fait résumé les différents types de rhinosinusite. La rhinosinusite aiguë virale qui suit une rhinopharyngite virale, bien sûr, on évite les antibiotiques. Les surinfections de rhinosinusite virale, évitez au maximum les antibiotiques et préférez bien sûr les traitements symptomatiques.
Dans les formes de rhinosinusite chronique, eh bien, il est évident qu'on parle des formes bilatérales et dans ce cadre-là, on parle des formes bilatérales qui vont nécessiter un traitement local, notamment la corticothérapie et les lavages par des eaux salines. Il faut éviter les antibiotiques et bien sûr les facteurs qui vont exacerber les poussées aiguës de surinfection. Et enfin, vous allez avoir bien sûr la rhinite allergique qui n'est pas l'objet donc de ce webinaire. Alors pour l'enfant, dans le cadre des rhinosinusites de l'enfant, il est absolument essentiel de savoir que jusqu'à l'âge de 4 ans, nous ne pouvons avoir qu'une ethmoïdite, que la rhinosinusite maxillaire apparaît à partir de 4 à 5 ans, et ça c'est en parallèle avec la croissance des sinus, que le sinus phénoïdal c'est entre 7, 6 et 7 ans, et le sinus frontal au-delà de 9, 10 ans. Et c'est ainsi que chez l'enfant, lorsque vous avez un enfant qui vient de la naissance à 3 ans avec une rougeur de la partie supérieure de la paupière inférieure après un épisode grippal, avec une fièvre élevée et l'apparition d'une rougeur conjonctivale, une douleur à la pression de la partie interne de l'œil, méfiez-vous, c'est une ethmoïdite et c'est une ethmoïdite qui relève de la prise en charge dans le cadre de l'urgence. Alors, dans le cadre de l'AFSAPS 2008, eh bien, chez l'enfant, on préconise bien sûr le traitement symptomatique pour les formes non compliquées, mais dès lors que vous avez l'apparition d'une ethmoïdite, eh bien, il faut passer à l'amoxicilline acide clavulanique à raison de 80 mg par kilo par jour ou les céphalosporines de deuxième génération et bien sûr la pristinamycine n'est préconisée qu'à partir de l'âge de 6 ans. Mais bien sûr, dans le cadre des formes frontales chez le grand enfant, l'ethmoïdale chez le jeune enfant et la sphénoïdale chez le plus grand enfant, eh bien, il faut absolument hospitaliser votre petit. Alors, les rhinosinusites chroniques de l'enfant, eh bien, l'approche dans le cadre de l'EPOS 2007, il faut bien sûr toujours rechercher des végétations adénoïdes, essayer d'aller vers le traitement local. Chez l'enfant, en général, vous n'avez pas de problème de polypose nasosinusienne, sauf si vous avez une mucoviscidose, et le plus souvent, c'est des rhinosinusites allergiques. Et là, c'est la dernière conduite à tenir dans le cadre de l'EPOS 2020, dans le cadre de la rhinosinusite chronique de l'enfant, eh bien vous voyez très bien qu'on attache une importance particulière à la recherche de l'hypertrophie adénoïdienne et dès lors qu'il y en a une, eh bien il faut faire absolument une adénoïdectomie et qu'après adénoïdectomie, si le patient ne s'améliore pas sous traitement local et éventuellement corticoïde nasal, eh bien dans ce cadre-là, il faut réaliser un bilan plus approprié et bien sûr prendre en charge de façon plus poussée l'enfant. Alors, ici c'est un cas clinique, c'est un patient qui vient consulter pour des croûtes nasale, bilatérale, nauséabonde, et bien sûr, vous faites une vue endoscopique, c'est une fosse nasale qui est droite, vous voyez ici le septum, vous voyez ici le cornet, il est hypotrophié, vous avez des croûtes, vous avez des sécrétions qui collent entre le cornet inférieur et la muqueuse septale, et bien dans ce cadre-là, ce n'est pas une rhinosinusite aiguë, ce n'est pas une rhinosinusite chronique banale, inflammatoire ou œdémato-purulente, il faut aller beaucoup plus loin et rechercher qu'est-ce qui se passe. Eh bien, effectivement, à l'heure actuelle, pourquoi il y a aussi un regain d'intérêt dans le cadre des rhinosinusites chroniques bilatérales, c'est parce qu'on s'est aperçu dans les granulomes systémiques ou infectieux spécifiques et le plus souvent chroniques et bilatérales. Ces rhinosinusites sont des pathologies microbiennes caractérisées par la présence de granulomes sur le plan histologique. Et donc, elles posent un réel problème de diagnostic étiologique et de diagnostic différentiel avec les autres granulomatoses centraux ou médiofaciales d'origine systémique. Ainsi, vous avez ici un cas bien particulier. Vous avez un malade qui se plaint d'une obstruction nasale, vous faites une endoscopie ou carrément un spéculum, vous voyez qu'au niveau du septum côté droit, vous avez un nodule granulomateux sur une muqueuse qui est propre. Et là, vous avez un cornet inférieur qui est tapissé par des nodules granulomateux et en endoscopie, eh bien, on va retrouver ces nodules granulomateux. Eh bien, ici, vous faites une biopsie et vous allez rechercher une sarcoïdose
C'est une atteinte nasosinusienne de la sarcoïdose qui va se traduire par une atteinte chronique nasosinusienne. Alors, la difficulté de ces formes granulomateuses, c'est quoi? C'est la difficulté du diagnostic étiologique. Pourquoi? Parce qu'il y a un polymorphisme clinique. Elles peuvent se présenter sous forme de rhinosinusite diffuse bilatérale, comme la vue endoscopique que je vous ai montrée du patient qui est venu consulter. Soit sous forme de pseudo-tumorale, on va le voir tout de suite, soit sous forme de rhinite croûteuse, ou carrément un malade vient avec une perforation septale et donc une encélure nasale. Il n'y a donc pas de spécificité et par conséquent, il faut s'aider soit du diagnostic histologique, soit de la bactériologie. Là, vous avez une tuberculose nasosinusienne. Le patient vient consulter pour une rhinite sale bilatérale, chronique évidemment, et vous allez mettre votre spéculum nasal, vous allez trouver une perforation septale antérieure. Vous voyez que les berges de la perforation sont très inflammatoires, ils ne sont pas homogènes, vous allez réaliser des biopsies et bien sûr, vous allez retrouver ces granulomes épithélioïdes gigantocellulaires avec de la nécrose caséeuse, le diagnostic est fait. L'oselle. L'oselle, eh bien, il s'agit d'une atteinte spécifique, infectieuse, Klebsiella oseinée, et on va se retrouver avec un patient qui va venir se plaindre de croûte. On va mettre le spéculum nasal, on a un véritable chantier. Pourquoi? Les fosses nasales sont très perméables. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez une atrophie de la muqueuse et une lyse osseuse des cornets, de tout, qu'on va bien voir au niveau du scanner. Le traitement médical, c'est d'abord les lavages nasaux, mais les cures thermales aux eaux soufrées, avec d'ar épisode, l'administration de fluoroquinolone, on peut y aller jusqu'à 1 tronc. Il faut proscrire les vasoconstricteurs et les corticoïdes locaux. Et lorsque véritablement le malade est très gêné et qu'aucun traitement ne le suffit, ne l'améliore sur le plan médical, on peut être amené à l'opérer. Il faut réduire le calibre des fosses nasales en implantant en sous-muqueux des bâtonnets d'acrylique en extra-muqueux ou alors en sous-muqueux des greffes dermiques par voie endonasale. Autre granulomateuse infectieuse spécifique, c'est le rhinosclérome. Et là, nous avons eu un patient dernièrement qui est venu consulter pour une pathologie pseudo-tumorale avec une opacité totale au niveau du sinus sphénoïdal droit. Quand on opère ce patient, on retire du matériel tissulaire sale, associé à des croûtes purulentes, eh bien, il s'agitait véritablement de cellules spumeuses de Miculis qui s'agissait d'un rhinosclérome. Alors, le traitement, voilà le scanner de ce patient. Eh bien, le traitement médical consiste en l'éradication du germe, bien sûr, et il faut éviter les complications fonctionnelles ou esthétiques et administrer des fluoroquinolones. Et enfin, éventuellement, une chirurgie de reperméabilisation des fosses nasales. Alors, ici, vous avez une patiente qui est venue consulter pour une encélure nasale, c'est-à-dire que vous allez trouver une perforation septale. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une endoscopie nasale et on retrouve cette muqueuse qui est sale, hémorragique, avec des croûtes, avec des sécrétions épaisses, d'accord? Eh bien, dans ce cadre-là, vous avez une malade qui pose problème. Il pose un problème de diagnostic parce que le diagnostic de syndrome de Wegener est difficile à établir. Et je vous invite à assister au prochain congrès national de la Société marocaine d'ORL où nous allons avoir une table ronde sur les atteintes ORL des maladies systémiques. Alors, dans la polyangéite de Wegener, quels sont les traitements? Eh bien, on préconise dans les formes diffuses une corticothérapie à raison d'un milligramme par kilo par jour, bien sûr, toujours en concertation pluridisciplinaire avec les médecins internistes, voire les néphrologues, et des immunosuppresseurs dont le plus efficace semble être le cyclophosphamide oral à raison de 2 mg par kilo par jour. Et à l'heure actuelle, on préconise le rituximab s'il y a une contre-indication au cyclophosphamide. Dans les formes localisées nosocytiennes, eh bien, on a besoin de corticoïdes et d'un immunosuppresseur type méthotrexate et qui doit être poursuivi pendant plusieurs mois. Et enfin, bien sûr, une surveillance prolongée, car les rechutes peuvent survenir même des années après l'obtention éventuelle d'une rémission.
autre granulomatose, autre maladie systémique, le syndrome de Sjögren-Strauss, qui est une angéite granulomateuse allergique d'origine inconnue. Avec présence d'encas dans 40% des cas, elle intéresse surtout le syndrome de Sjögren-Strauss, on le retrouve surtout dans le cadre du sexe masculin, avec un âge moyen autour de 45 ans, et une atteinte principale pleuro-pulmonaire, et dans le cadre d'un asthme tardif et sévère. Et enfin, nous n'omettrons pas de parler de la localisation nasosinusienne du sida, qui, elle, donne des rhinosinusites sévères, difficiles à traiter. Alors, nous allons parler de ce cas clinique. C'est une patiente de 5 ans qui a été admise aux urgences ORL pour une exophtalmie de l'œil droit qui évolue depuis plus de 3 mois, associée à un œdème inflammatoire de la paupière inférieure droite et un abcès lacrymal. D'accord. Mais l'interrogatoire des parents va révéler une obstruction nasale droite et un écoulement nasal purulent droit. Bien sûr, au niveau des urgences, on va inciser l'abcès lacrymal et voilà la vue après incision, mais on réalise un bilan d'imagerie. Et le bilan d'imagerie nous montre une énorme tumeur qui obstrue la totalité de la fosse nasale, d'où la rétention au niveau du sac lacrymal. Donc, par conséquent, c'est une patiente qui a été opérée pour une dysplasie fibreuse. Autre cas avant de conclure, il s'agit ici d'une jeune femme âgée de 29 ans qui est admise pour une tuméfaction palpébrale droite avec une légère exophtalmie droite, indolore, non axile et non réductible. Quelle a été la conduite à tenir? On réalise un bilan d'imagerie, on voit un énorme processus tumoral bourgeonnant de la fosse nasale droite avec bien sûr une sinusite rétentionnelle. Eh bien, on opère cette malade, on constate en père-opératoire qu'il y a un processus tumoral bourgeonnant en regard de l'ethmoïde, qu'on va réséquer, avec une lyse de la lame papyracée, on marsupialise dans le même temps opératoire une piocelle et on voit qu'il y a un envahissement du sinus sphénoïdal. On réalise un examen anapath extemporané et on nous répond processus carcinomateux indifférencié. Et en fait, cette malade avait fait une cellulite périorbitaire avec une piocelle pyoradique après radiothérapie pour cancer du cavum en novembre 2017 et elle a récidivé son carcinome indifférencié au niveau sphénoïthmoïdal lorsqu'on l'a reçu, d'accord, alors que le cavum irradié était parfaitement libre et ceci illustre le fait que devant toute rhinosinusite, qu'elle soit aiguë ou chronique, il faut examiner son patient. Et pour conclure, eh bien, je dirais que le dernier papier qui est sorti de l'EPOS 2020, eh bien, il existe certains axes de recherche dans le cadre des rhinosinusites chroniques et aiguës, et ce, soit dans le domaine général, pour essayer d'affiner la terminologie de ces rhinosinusites, mais également dans le cadre de la prise en charge de ces rhinosinusites aiguës, et bien sûr en essayant de valider un questionnaire chez les patients, mais également dans le cadre de rhinosinusites chroniques, mais également chez l'enfant. Et donc, par conséquent, le mystère des rhinosinusites n'est pas encore élucidé, mais espérons qu'à travers cet exposé, les questions et les réponses seront nombreuses pour pouvoir essayer de rendre interactif cette séance. Je vous remercie. Merci, merci à vous, professeur. Merci beaucoup pour l'excellente, pertinente présentation qui a traité donc la rhinosinusite de différents angles. Bravo, professeur. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages de félicitations depuis le Maroc et depuis la Tunisie. Et je vais vous lire donc le remerciement de Dr Belhaj depuis la Tunisie, qui vous dit « Merci Dr Skrli pour le détail et la valeur scientifique de cette conférence qui nous donne une image assez complète sur ces rhinosinusites. » Donc c'est Dr Belhaj de la Tunisie. Veuillez activer votre micro s'il vous plaît, professeur. On active. Parfait, parfait. Donc c'était le commentaire de Dr Belhaj de la Tunisie. Je passe donc à une question de la part de Dr Abdelzak Yahia.
La rhinosinusite chronique sur polypose nasale avec gêne respiratoire importante. Quelle est la modalité de prise en charge? Alors, rhinosinusite chronique avec polypose nasosinusienne, c'est une rhinosinusite chronique polypoïde. D'accord? C'est une polypose nasosinusienne. D'accord? Parce que qui dit avec polypose nasale nasosinusienne, c'est bilatéral. D'accord? Alors, gêne respiratoire, c'est ce que vous avez dit. Oui, tout à fait. Bien, donc, éventuellement, il existe donc un asthme. Et par conséquent, il faut absolument se mettre d'accord avec le pneumologue pour pouvoir voir cet asthme. Est-ce qu'il y a une installation tardive? Est-ce qu'il est un asthme qui est installé depuis la naissance? Est-ce que c'est un patient équilibré ou pas? Toujours est-il, toute décision sera faite avec le pneumologue et j'insiste essentiellement sur les cures de corticothérapie par voie orale. Elles doivent être instituées en accord avec le pneumologue et le pneumologue en accord avec l'ORL pour qu'on ne se mette pas à donner, moi en tant qu'ORL, une cure de corticothérapie pour la polypose et le pneumologue ensuite une cure de corticothérapie pour une exacerbation de l'asthme. Donc là, véritablement, on doit travailler en équipe pluridisciplinaire. Et la décision est une décision qui va relever essentiellement sur deux éléments, soit que la polypose nasosinusienne est obstructive et que par conséquent la corticothérapie nasale n'a absolument pas de place pour être diffusée parce que les polypes sont volumineux, c'est un stade 3, ou alors il y a une exacerbation de l'asthme et donc par conséquent il faut aller à la chirurgie. Mais ceci avec le consentement du patient et en insistant sur le fait qu'il faut absolument une corticothérapie nasale en post-opératoire. Très bien, merci beaucoup professeur. C'est une prise en charge entre ORL et pneumologue, c'est ça. Bien sûr. Parfait. Une autre question s'il vous plaît professeur. Le taux de récidive des polyposes nasaux, est-ce qu'il y a des mesures préventives post-chirurgicale si le patient est opéré? Alors, le taux de récidive, moi je vais être très claire. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'indication de la chirurgie dans le cadre de la polypose nasosinusienne rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire soit que vous avez une polypose qui résiste à tout traitement topique local, donc corticothérapie locale, ou alors vous avez une pathologie asthmatique associée. Ceci dit, lorsqu'on opère le malade, je peux vous dire qu'en pair-opératoire ou bien avant, le chirurgien lui-même, il a quand même des critères et se dit éventuellement ce malade va très bien répondre à la chirurgie et l'autre ne va pas bien répondre. C'est l'état de la muqueuse nasale avec les polypes. Lorsque vous avez des polypes sur une muqueuse nasale qui est épaisse, qui est inflammatoire avec des sécrétions épaisses, eh bien, vous vous dites, ce malade-là, en post-opératoire, ce ne sera pas le résultat escompté. Par contre, lorsque vous avez une muqueuse nasale qui est saine, eh bien, en général, si vous faites une ethmoïdectomie, une nasalisation au vrai sens du terme, c'est-à-dire vous réséquez les polypes, vous drainez les sinus et vous voyez, vous avez une cavité nasale nasosinusienne saine qui est prête à recevoir la corticothérapie nasale, vous avez en général de bons résultats. Mais je crois que les résultats dépendent de l'état de la muqueuse nasosinusienne, de l'expérience de l'opérateur, mais également de la compliance du malade après la chirurgie, parce qu'il est évident que s'il ne suit pas sa corticothérapie nasale après la chirurgie, il va récidiver à coup sûr. Super, merci beaucoup pour la clarification et pour votre réponse, professeur. J'ai une question, professeur, de la part de Dr Touria Hamouda. Bonjour, monsieur le professeur. Merci pour votre présentation claire, comme d'habitude. En cas de cellulite palpebrale chez l'enfant qui s'améliore avec une antibiothérapie de 10 jours, est-ce qu'il faut quand même faire un examen ORL, une éventuelle endoscopie, après l'amélioration? Alors, écoutez, oui, obligatoire. Pourquoi? Parce que un enfant ne fait pas du jour au lendemain une cellulite préseptale ou une cellulite orbitaire. C'est qu'il y a problème. Donc il faut faire une endoscopie nasale d'abord pour pouvoir voir pourquoi il a fait ça.
D'accord. Et ensuite, il faut éliminer des végétations adénoïdes, car une hypertrophie adénoïdienne qui donne une ethmoïdite qui se complique de cellulite orbitaire, il faut faire très attention parce que le malade peut récidiver. Et enfin, il faut toujours rechercher une cause locale ou générale. Mais en tout cas, ce n'est pas le commun des mortels qui va vous faire une ethmoïdite qui se complique de cellulite. Non, il faut véritablement l'envoyer à l'ORL pour faire un examen poussé endoscopique. Super, merci beaucoup, professeur. Une dernière question, s'il vous plaît, professeur. C'est de la part de Dr. Semis Lamy. Merci pour la clarté de votre exposé, professeur. Quelle est la place de la cefixime dans le traitement de sinusite maxillaire aiguë à Haemophilus influenzae? Alors, ben, c'est sûr, on sait tous que le cefixime marche très très bien dans le cadre des signes de l'hémophilus influenzae, d'accord? Pour les formes maxillaires aiguës, non compliquées, il a sa place. Si on sait que c'est un hémophilus. D'accord. Donc, je reçois, je ne cesse pas de recevoir des messages de la part des participants, comme par exemple Dr. Salahattin Dehlen qui vous dit excellente communication, riche, claire et concise. Merci, professeur Strelli. J'ai aussi Dr. Mohamed Darhaoui qui vous dit, professeur, que pensez-vous de la turbinectomie par radiofréquence pour un gros cornet inférieur sur rhinosinusite chronique d'origine allergique. Alors, écoutez, on parle de rhinosinusite chronique allergique lorsqu'il y a une participation sinusienne. Lorsqu'il n'y a pas de participation sinusienne, on parlera de rhinite allergique tout court. Alors, lorsque vous avez une hypertrophie des cornets en rapport avec une rhinite allergique permanente, pérennuelle, puisque persistante, eh bien, dans ce cadre-là, effectivement, il faut agir sur le facteur obstructif et donc sur le cornet inférieur. Mais pour ma part, je ne suis absolument pas pour la radiofréquence. Parce qu'en général, c'est des malades qui s'améliorent pour un peu de temps, ils ont mal après, et quelques mois après, on est amené à aller au bistouri et à la chirurgie. C'est une chirurgie qui est très très simple, qui se fait rapidement, et donc il n'y a pas mieux que d'y aller par le coup de ciseau, pour ma part. Oui, professeur. Professeur, j'allais clôturer, mais je reçois donc des questions. Pas de problème. On profite quand même de votre présence, C'est professeur. gentil. Merci beaucoup. Merci. Professeur, donc une question de la part de Dr. Mohamed Al-Hawi. Quelles sont les modalités de la corticothérapie nasale dans les rhinosinusites d'origine allergique? Merci, professeur. Alors, les modalités de la corticothérapie nasale, c'est simple. Lorsque vous avez un patient, on se base toujours sur la classification ARIA, mais il faut se baser surtout sur le doléance du patient. D'accord? Dès lors que vous avez une rhinite allergique et le malade se plaint d'une obstruction nasale qui perdure, vous mettez votre spéculum nasal, vous voyez d'énormes cornets inférieurs avec une composante flasque et des sécrétions aqueuses, ou une composante flasque et volumineuse, des cornets volumineux. Eh bien, la corticothérapie nasale doit être prescrite et a raison au minimum de deux pulvérisations par jour. Mais il faut réévaluer votre malade. D'accord? Et à ce moment-là, on s'adapte avec le patient et son facteur obstructif. Très bien. Peut-être une dernière question, professeur. Oui? C'est la question, donc c'est une question de Dr. Farhat Gattat. Que pensez-vous des traitements alternatifs, à savoir la phytothérapie et l'homéothérapie en cas de refus au recours de la corticothérapie par la famille? Alors, est-ce qu'on peut préciser corticothérapie nasale? Oui, j'imagine, oui, corticothérapie nasale. Alors, la corticothérapie nasale, on est amené à la prescrire pourquoi? Eh bien, on est amené à la prescrire tout simplement parce qu'il y a le facteur obstruction nasale. Et je ne pense pas que la phytothérapie ou l'homéopathie va améliorer le facteur obstructif. Donc, pour moi, il est nécessaire de prescrire la corticothérapie nasale. Il faut peut-être prendre un peu plus de temps pour convaincre la famille. D'accord, peut-être donc c'est dans le même sens, Dr. Yahya Salhi vous pose la question par rapport à la place des pommades corticoïdes. Est-ce qu'ils sont utiles?
Alors, les pommades corticoïdes, je pense que ce n'est pas utile, d'une part, et d'autre part, je pense qu'il y a eu deux études qui ont été faites entre l'efficacité de la pommade et l'efficacité de l'aérosol. Il est évident que c'est l'aérosol, et je pense même que la pommade corticoïde est contre-indiquée à l'heure actuelle dans les fosses nasales. Merci, merci beaucoup, professeur. Donc, je reçois des messages de remerciements. Docteur Sofiane Nitessi, une très belle présentation, bien référencée. Bravo, professeur. Donc, des messages de la part des médecins tunisiens et des médecins marocains. Excellente présentation, professeur. Merci pour votre temps, votre disponibilité. Donc, vous avez répondu à toutes les questions que j'ai reçues via le chat. Je vous remercie beaucoup, donc professeur, et je remercie tous les médecins participants à cette première session de masterclass. Il y aura d'autres masterclass avec d'autres thèmes prochainement, Inch'Allah. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Si vous avez un mot de clôture, n'hésitez pas, professeur. Eh bien, écoutez, je voudrais clôturer par remercier d'abord les laboratoires GSK et Madame Regragui parce qu'elle a bien travaillé, beaucoup travaillé avec moi. Je voudrais également remercier tous les participants et remercier mes amis qui ont participé et qui ont participé en posant des questions. Et vous avez les coordonnées du laboratoire GSK et mes coordonnées et nous sommes disponibles et disposés à répondre à toutes les questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre ou alors que vous avez envie de répondre a posteriori. Parfait, merci encore une fois, professeur. Merci à tous les participants. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.